Alexandre Astier, la star à la française. Lancelot du Lac, le roi Arthur, Merlin, ces personnages légendaires ont retrouvé leur titre de noblesse, ou plutôt leur punchline humoristique, grâce à une série. Et oui, Kaamelott, qui s'est converti en film et sorti cet été sur nos écrans, a fait un triomphe auprès du public. Mais qui se cache derrière tout ça? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Alexandre Astier. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans un contexte plus que compliqué, entre Covid, salles fermées puis réouvertes, culture et divertissement en berne, c'est avec une joie non égalée que les Français ont retrouvé la direction des salles obscures avec en ligne de mire le film Kaamelott, premier volet. Il s'agit de l'histoire du légendaire roi Arthur qui, suite à son exil forcé à Rome, revient récupérer la Bretagne à Lancelot et à ses hommes. Le pitch parle de lui-même, mais derrière le film le plus vu en France en 2021, un homme, Alexandre Astier. Qui est-il? Que fait-il? Que savoir sur ce Lyonnais dont le visage est pour beaucoup de Français l'image même de l'humour made in Hexagone? Alexandre est né le 16 juin 1974 à Lyon. Son père n'est autre que l'acteur Lionel Astier, acteur et réalisateur, et sa mère est la productrice-actrice Joëlle Sevilla. On les retrouve d'ailleurs aux côtés de leur fils dans la fameuse série Kaamelott, dans les rôles respectifs de Léo Dagan et Dame Sévie. Ses parents se séparent et son père se remet en couple avec José Drevon. Alexandre devient grand frère en 1983 du petit Simon Astier, qui, comme son père et sa mère, rejoindra le casting de la série. Alexandre se tourne rapidement vers le monde de l'art, mais contrairement à ce que l'on peut croire, c'est la musique qui l'attire. Il suit d'ailleurs des études de musique au conservatoire et à l'American School of Modern Music de Paris. Mais en parallèle, le virus familial le gagne. Il écrit pour le théâtre et surtout, il monte sur les planches. À Lyon, dès 1997, il foule les scènes dans des pièces comiques telles que Pulp Fiction et Le jour du froment. Il rencontre d'ailleurs un petit succès. Mais celui que l'on va rapidement appeler l'hyperactif ne fait pas que jouer. L'écriture l'attire et concrètement, il a de nombreuses idées en stock. En 2001, il s'essaye à des courts-métrages dont un en 2002 qui sera très remarqué et qui remportera le prix du public 2003 du festival Ofcourt, Dies Irae. Sans le savoir, ce court-métrage va littéralement propulser Alexandre dans la cour des grands. Au vu du succès de son court-métrage et suite à la découverte des ruines d'un château, Astier décide d'en faire une série sur le thème du roi Arthur. En 2005, il prend rendez-vous avec la production de M6. Son créneau? Remplacer la mini-série phare Caméra Café. Il ne lui faudra pas plus d'un rendez-vous pour séduire les dirigeants de la chaîne, qui lui signent immédiatement 100 épisodes. L'acteur, scénariste, musicien, producteur et réalisateur se met au travail. La série ne mettra pas plus de 6 épisodes pour charmer le public, qui sera autour de 5 millions à suivre chaque soir les aventures déjantées des chevaliers de la table ronde. La série qui ne tarde pas à trouver son public va rester 4 ans à l'antenne et aujourd'hui, elle est considérée comme une des légendes du petit écran. D'ailleurs, de très nombreuses rediffusions seront proposées pour les accros du programme. Les acteurs sont propulsés stars en très peu de temps. Il est à noter que la plupart de ceux qui figurent au casting sont des proches d'Alexandre. Ainsi, Lionel Astier, le père, se retrouve comme le beau-père du roi. La mère d'Alexandre devient sa belle-mère. Son demi-frère est aussi de la partie, ainsi que sa belle-mère dans la vie qui devient sa mère. Vous suivez? Bref, le clan Astier est réuni, d'où des scènes particulièrement vraies, avec une complicité sans pareil. On note aussi la participation de Jacques Chambon, qui est un acteur français, mais aussi un metteur en scène avec qui Alexandre a fait ses débuts à Lyon. Mais la fin de la série est loin de marquer la fin d'une époque pour ceux qui ont fait partie de l'aventure. Initialement prévu pour sortir en 2010, c'est finalement cette année que le film éponyme sort sur les écrans. Le film réalise la prouesse en cette période de pandémie de rassembler pas moins de 2 millions d'entrées en moins d'un mois. Un jackpot presque inattendu au vu de la situation. De plus, rappelons-le, le film sorti récemment dans les salles n'est que le volume 1. Cela dit, la question reste entière. Qu'a fait notre cher Alexandre Astier entre la fin de la série Kaamelott et la sortie du film qui sont séparés d'un peu plus d'une décennie? La réponse risque de vous donner le tournis. Si Astier a la réputation d'être un hyperactif, ce n'est pas sans raison. Ce vrai touche-à-tout artistique n'a absolument pas eu 5 minutes à lui. Si dès 2006, on peut le voir à l'affiche du film Comme tu es belle, ou encore LOL en 2008, Alexandre va attendre la fin de Kaamelott pour multiplier les projets, tant sur grand écran que sur scène, ou encore derrière caméra, en signant des compositions pour divers films. En 2012, il est partout. Il prend pas moins de 6 casquettes pour son film David et Madame Hansen, aux côtés d'Isabelle Adjani, où il signe la musique, la réalisation, le montage, la production, et il interprète l'un des rôles phares.
On le voit aussi à l'affiche d'immenses blockbusters tels que Astérix et Obélix. Il est aussi sur les planches avec Que ma joie demeure, où il interprète le compositeur Jean-Sébastien Bach et parcourant son œuvre. Il signe aussi la composition musicale de nombreuses œuvres telles que Les aventures du célèbre gaulois Astérix dans Le domaine des dieux. Le film est sorti en salle en novembre 2014. Il se fait aussi remarquer avec le sketch La physique quantique dans de nombreux festivals d'humour. Alexandre Astier jouit d'une réputation d'hyperactif bien méritée qui touche à tout et surtout qui dispose d'un talent hors norme. En 2019, il est à la première place des personnalités préférées des Français, devant Omar Sy et Kylian Mbappé. Côté vie privée, on peut dire que celui qui reste dans le cœur des Français, comme le roi Arthur, n'a pas chômé. En effet, Alexandre est l'heureux papa de 7 enfants au total, répondant aux noms de Jeanne, Ariane, Neil, Ethan, James, Aaron et Isaac. Entre 2000 et 2013, il aura 5 enfants avec sa première compagne, qui n'est autre que la chef costumière de Kaamelott, Anne-Gaëlle Daval. Puis en 2017 et en 2020, il a 2 fils avec sa nouvelle compagne, Luna Caris, actrice de profession. Il est reconnu par tous comme un excellent papa qui, malgré un emploi du temps bien rempli, sait garder ses priorités familiales au-dessus de tout. Pour la petite histoire, ses enfants sont aussi apparus dans la fameuse mini-série Kaamelott, qui a valu à Alexandre de devenir la star que l'on connaît. Les enfants jouaient les rôles des enfants de Caradoc. Pour sûr, l'infatigable Astier a encore beaucoup à offrir au monde du divertissement, puisqu'il assure avoir énormément de projets en attente. On peut aussi se dire que, galvanisé par son succès dans les salles, Messire Arthur est loin d'avoir tiré sa révérence. L'avenir nous en dira plus, mais à l'heure actuelle, Alexandre a déjà sa place dans la cour des grands et ne compte pas la laisser. Et vous, que pensez-vous de cet homme aux multiples talents? Êtes-vous aussi ravi de le retrouver dans ses aventures, comme une grande partie des Français? Quelle facette de l'artiste avez-vous préférée? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos idées et votre avis sur cet homme dans les commentaires. Bien, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de laisser un like, en espérant que notre contenu vous a plu et surtout en espérant vous revoir rapidement pour de nouvelles histoires de vos stars préférées d'aujourd'hui et d'hier. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de soutenir nos efforts dans la réalisation de contenus de qualité.